chers frères et sœurs, notre ami, notre frère, le père Guichou, est mort noyé, englouti par la mer à Souya. Nous ne savons pas comment c'est arrivé. Nous avons tous des questions, différentes hypothèses, mais la seule chose qui est sûre, c'est que nous ne savons pas. Et il nous faut accepter de ne pas savoir. Père Guichou emporte avec lui son mystère, le mystère d'une grande souffrance, certainement, le mystère de sa mort, de son passage à la vie. Et la moindre des choses, c'est que nous respections le mystère de cette personne, de sa mort, de la fin de sa vie. Au lieu de trop chercher à savoir tout, à prétendre tout comprendre, comme si nous dominions la situation, soyons plus humbles, plus modestes, et confions le Père Guichou au Seigneur. Lui, Jésus, sait ce qui s'est passé. Lui, Jésus, a su comment l'accueillir avec ce mélange de vérité et de miséricorde qui nous dépasse. Faisons-lui confiance. Père Guichou, lui aussi, après avoir été nourri de la parole de Dieu et du pain de vie dans son pays, en France, a été envoyé en mission en tant que membre des missions étrangères de Paris. Il a d'abord été à Madagascar pendant une quinzaine d'années, puis à l'île Maurice depuis 1980, c'est-à-dire pendant 35 ans. Je voudrais exprimer ici ma profonde reconnaissance et celle du diocèse de Port-Louis pour tout ce temps de présence missionnaire du Père Guichou au milieu